Cthulhu, c'est Boisdin, et je vais dessiner un salut. Salut, c'est Boisdin, et je vais dessiner un Cthulhu mangeant une tartiflette. Une proposition de... Ah, bah de Cthulhu, justement. Blablabla. Je commence par la main velue de Cthulhu qui tient sa fourchette pour manger sa tartiflette. Ouais, je fais des rimes aujourd'hui. Je suis poète. Alors, il a des grosses griffes, Cthulhu. Donc, Cthulhu, pour ceux qui connaissent pas, c'est une créature inventée par H.P. Lovecraft dans sa nouvelle L'Appel de Cthulhu. D'ailleurs, il y en a qui disent Cthulhu, mais ça se dit bien Cthulhu, parce qu'il n'y a pas de H après le C. Voilà. Donc, on va faire l'assiette de tartiflette tout de suite. De la tartiflette, donc voilà, ça ressemble à ça. Une sorte de bouillie, hein. On va pas s'attarder plus là-dessus. Donc c'est une créature humanoïde, avec une tête de poulpe, et des ailes de dragon, Cthulhu. Si vous n'avez jamais lu la nouvelle de H.P. Lovecraft, L'Appel de Cthulhu, je vous le conseille vivement. C'est quelque chose de très bien. Donc même s'il mange de la tartiflette, bah oui, c'est bon pour la santé, la tartiflette, on va quand même lui faire des yeux pas contents. Et maintenant, on lui fait toutes ces petites tentacules qu'il a au niveau de la bouche. D'ailleurs, vous avez vu au début de la vidéo que j'ai très bien imité Cthulhu. Je vous ai montré deux façons marrantes d'imiter Cthulhu. Et j'en suis très très fier. Vous pouvez reproduire ça chez vous. Donc voilà, toutes les petites tentacules qu'il a un petit peu sur les côtés. Cthulhu a aussi une taille gigantesque, hein, en plus d'être un dieu extraterrestre, il a une taille gigantesque. Voilà, on lui fait un corps derrière sa petite tatable et les ailes de dragon, comme ceci, un petit peu résumé. Et ça fait, j'ai fini déjà. C'est passé très très vite. Voilà Cthulhu qui mange de la tartiflette en 2 minutes. Si vous aimez ce Cthulhu mangeant une tartiflette, partagez la vidéo, mettez un poulpe vert et commentez pour dire ce que vous en pensez et aussi faire une proposition pour la prochaine émission. Salut poulpesque à vous!